Vincenzo s'en va à son atelier secret. Je peux lui parler seul à seul là-bas. Mais où est-ce que c'est? Tu crois qu'il m'emmènera un jour avec lui? Vincenzo, tu sais, quand il voyage autour du monde. Maintenant, on va par là. Suis-moi! Excusez-moi, monsieur. Savez-vous où se trouve l'atelier de monsieur Vincenzo? Yeah. Oh, tout le monde sait où il se trouve. C'est dans ce musée là-bas. Mais bonne chance pour y entrer. Personne n'y a jamais mis les pieds. Merci. Allez! Gros mécanisme. J'espère que tu as apporté des luminaires. Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très nets, Didi. Il vaudrait mieux qu'il règle ses comptes avec eux d'abord. Pas vrai, Johnny? Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. Johnny, si ça tourne encore à la catastrophe, on risque de tous y passer. Je ne laisserai pas les choses mal tourner. Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très nets, Didi. Il vaudrait mieux qu'il règle ses comptes avec eux d'abord. Pas vrai, Johnny? Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. Johnny, si ça tourne encore à la catastrophe, on risque de tous y passer. Je ne laisserai pas les choses mal tourner cette fois-ci. Je te le promets. Tu m'as tellement manqué.
Que fais-tu ici? Qui es-tu? Comment es-tu entré? Par la grande horloge. Tu as traversé le mécanisme? Comment? Qui est avec toi? C'est un casse-tête, non? C'est supposé empêcher les étrangers d'entrer. C'est un très bon casse-tête. Pas assez bon, apparemment. Mais je ne suis pas une étrangère. Je suis Didi. Didi Malenkaya. Oh. Est-ce que ta mère t'a poussée à faire ça? Elle pense que je fais mes devoirs. Je voulais juste vous rencontrer. Je ne voulais pas d'enfant, d'accord? Vous ne voulez pas d'enfant? Mais qu'est-ce que j'en ferais? Je suis un homme occupé. Mes instruments sont capricieux. Il faut des mois pour les perfectionner. Comment aurais-je le temps? C'est ce que je lui ai dit. Désolée. Je voyage, je pars en tournée pendant 6 mois, Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. Je dîne en ville avec des ducs et des gangsters. Mais je pourrais vous aider avec vos instruments. Je suis bonne avec les casse-têtes. Je ne vous causerai aucun souci. Tu as brisé ma bobine d'induction pour gaucher. Il m'a fallu une semaine pour l'ajuster. Désolée. J'ai dit tout ça à ta mère il y a des années. Quel est son numéro de téléphone? Tu vois? C'est de ça que je parle. C'est ce que je ne peux me permettre. Ta mère pleurait chaque semaine. Tu es beaucoup mieux avec Kat. Une petite fille a besoin de sa mère. D'accord. Veux-tu assister à mon spectacle? Non. Eh ben, voici 2 billets. Au cas où tu changerais d'avis. D'accord. Donnons un coup de fil à Kat. Mais qu'est-ce que je dois faire? T'enfermer et mettre des barreaux à ta fenêtre? Je ne peux pas passer mes nuits à la maison à te surveiller. Je sais. Je ne suis pas une de ces secrétaires qui finit de travailler à 5 heures. Je suis une artiste. Tu comprends ça? Est-ce que Johnny est au courant? Parce qu'il va m'entendre. Je voulais juste parler à Vincenzo. Je n'aurais jamais dû le laisser revenir. J'avais juste besoin. Je voulais. Et maintenant, mesdames et messieurs, le théâtre de l'irréel, de l'incroyable Vincenzo. Je le savais. Je savais que c'était encore un des rêves utopiques de Johnny. T'as encore tout foutu en l'air, n'est-ce pas? Johnny, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait partie du spectacle? Je m'en occupe. Ils commencent à s'impatienter. Ils vont vouloir que tu les rembourses. Si tu les rembourses, tu peux pas nous payer. La situation est sous contrôle. Faut juste que je trouve une ampoule, un fusible ou un truc dans le genre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut rien faire correctement? Il va falloir qu'on répare celui-là aussi. Il faut trouver une façon d'éclairer la scène. C'est un drôle de phare. Crois-tu que c'est une sorte de laboratoire scientifique? Ça me fait un peu penser à l'atelier de Vincenzo, tu vois? Je crois que c'est ce qui éclaire la lumière qui est là-haut. Laisse-moi voir. Je peux peut-être le réparer.
Après quelques jours, la princesse se demanda. Pourquoi est-ce que son père essayait toujours de la donner en mariage ? Revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles. Ça, c'est du passé, Kat. J'ai changé. Comment tu veux que je te croie, Johnny ? Tu mens comme tu respires. J'ai besoin de vous. Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. T'es même pas son vrai père. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, ma grande. Et maintenant, mesdames et messieurs, le théâtre de l'irréel de l'incroyable Vincenzo. J'ai réglé le problème. On en reparlera après. Mesdames et messieurs, les lois de la physique de M. Einstein nous disent qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul univers. Il pourrait y en avoir d'innombrables, chacun légèrement différent d'une autre. Ce qui est un rêve dans notre monde, peut-être une réalité dans ceci. Pour les citoyens de ces mondes, nous ne sommes que des ombres. Ceci semble être une simple boîte. Ceci se nomme Tesseract ou un octa-core. Et si j'ouvre mon Tesseract le long de sa quatrième dimension, je peux en sortir des choses très surprenantes. Des choses qui sont familières et pourtant étranges. Mais dans ce monde fait d'ombre, ce qui vous apparaît familier pourrait être dangereux. Ce que vous ne connaissez pas peut vous blesser. Mais ce qui vous effraie peut également se transformer en une chose surpassant la beauté. Une fois que vous comprenez ce que c'est. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que tu mijotes, Johnny ? T'as une idée derrière la tête, c'est ça ? J'ai essayé, Kat. J'ai fait de mon mieux. Maman a raison. J'ai fait trop de promesses que je ne pouvais pas tenir. Qu'est-ce qui t'arrive ? Sans toi, je serais dans la rivière. Mais ça a fonctionné, papa ! T'as failli te blesser à cause de moi. Tu m'aurais sauvé s'il avait fallu.
Je veux que vous rencontriez la petite fille qui a rallumé les lumières. Je me suis également occupée du spectacle de marionnettes et aussi du bateau pirate. Tu as réparé le bateau pirate ? Il n'était pas très endommagé. Vous voyez, elle est presque aussi intelligente que vous. Mais elle est également courageuse. Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Que vous êtes riche et célèbre, mais que vous êtes effrayé par une petite fille. Que voudriez-vous que je fasse, Monsieur Fenris ? Que je l'amène avec moi en tournée mondiale ? Que je l'amène à Shanghai, Istanbul, ainsi que toutes ces autres villes immondes et dangereuses, comme une espèce d'apprenti ? Est-ce bien ce que vous êtes venu ici me proposer ? Je ne sais pas. C'est juste que Didi mérite mieux. Elles méritent mieux toutes les deux. Elles ont besoin de vous. Je crois plutôt qu'elles ont besoin de vous. Moi ? Je suis un désastre ambulant. Non, papa. Vous avez risqué votre vie pour être avec eux. Johnny, qu'est-ce que tu as fait ? Il s'est presque fait tuer. Pour être de nouveau avec vous. Je n'aurais fait ça pour personne. Mais je fais toujours tout rater. Je peux t'aider, papa. Est-ce que tu me laisserais revenir ? Pour de bon ? Oh, Johnny. Youpi ! Est-ce que tu voudrais voir mon atelier ? Encore ? Oui. Je parie que tu iras à Shanghai par tes propres moyens. Mais comment ? Tu trouveras bien une façon. Après tout, tu es ma fille. Comment as-tu fait ça ? Je croyais que Don était la seule personne à pouvoir le faire. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Merci d'avoir pris soin de Didi. Shot.